Re-YouTube, incroyable. On continue cette découverte de Necromunda, qui a pour moi bien marché sur le feeling que j'avais avec lui. Donc on se trouve sur Marty's End. Ok, super. Vendeuse d'armes. Salut. Ok. Ok! Montre-moi ce que t'as. Wouah, des armes bleues. Mais j'ai pas assez de sous. Et du coup, il y a le Pius Legacy. Qui est le fusil à pompe. On va pas prendre. Hein. Armure? Oh! 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 Là, oh! Oh, les belles. Oh! En bas! Oh bah oh! Oh bah! Oh bah oh! Ok! Je sais pas pourquoi. Depuis hier, j'ai encore. J'ai encore Johnny Money dans la tête. Ok, il y a un son de tir. Ok. C'est fini? Ok. Ok, c'était cool. Gladiatorium. C'est l'arène, ça? Attendez. Le Gladiatorium est une arène où vous pouvez tester à toute liberté vos nouvelles armes et augmétiques. C'est votre nouveau module bobine maglev à cet endroit. Ok. Donc c'est une arène de combat pour tester ses capacités. C'est cool. Faut que j'atteigne ça. Mais attendez. Mais j'ai pas le... J'ai pas le snipe en fait. J'ai pas le grappin. Et saute. Ah attends. Ah mais j'ai un double saut. D'accord. Non, je voulais pas grimper. Ok. J'ai un double saut. Espace, espace. C'est con parce qu'il me l'avait dit. Ok. Et là, faut que je parle à l'autre. Ah, bonjour. Le double saut, c'est cool. Donc il y a des gens qui sont prêts à mourir pour nous. Juste comme ça en fait, gratos. Ok, cool. J'aime bien le principe. Ok, double saut. Ok. Double saut dash, ça fait très Doom Eternal du coup. C'est cool. C'est très cool. Sélectionnez votre équipement, blablabla, on s'en fout. Ok, je vais parler à l'autre là. Qui passe encore par ici. Ouais. Salut Barmaid. Putain, ça c'est clair. Elle est stylée elle. Hein. Ils sont tellement stylés dans ce jeu, c'est. Bah, je suis client. Je ne vais dire à personne que t'es une mutante. Voilà. Quoi? Wild. Ah bon, je suis une mutante? C'est combien? Ton ami a déjà payé. Par Elmar, c'est quoi ce délire? C'est pas mon ami. Je n'ai jamais vu quelqu'un comprendre la situation aussi vite. J'adore cette conversation. Merci. Comment tu t'appelles? La prêtresse du Wild Snake. Ok, je t'appellerai Barmaid. Parce que c'est ce qui est écrit au-dessus de ta tête. Ok, Cal. Alors, tu viens enfin me parler? Oui, du fait que t'as failli me faire tuer. Du fait que je t'ai sauvé la vie. Et bah, est-il... D'abord commencer par failli me faire tuer. Non.
savais. Et merde. Toujours travailler seul. J'aurais dû m'en tenir à ça. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce gang est cher que tu voulais qu'on élimine. Il y avait quelqu'un d'autre avec eux. Oui, je crois bien. Qui? Celui qui a tué Virax? Peut-être. Enfin, je crois. Les Black Serpents collaborent avec un hors-la-loi. Okay. Un hors-la-loi très dangereux, qui s'appellerait Silver Talon. Tu savais qu'il était là? Non. C'est un nom important, ça, le Silver Talon, non? On travaille pour lui. Ça me dit quelque chose? Pourrait nous donner quelques pistes. Je ne pensais pas que l'assassin de Virax serait assez dingue pour rester. Starcraft. Alors tu t'es dit que c'était le moment de la pâtée? Non, pas du tout. Ça me dit quelque chose parce que c'était dans Starcraft. Plutôt rapide pour accepter mon offre. Maro et son frère sont spécialisés en archéotechnologie, de la bonne came en plus. Et ils contrôlent presque tout le commerce par ici. Sa caravane a été prise en embuscade à moins d'une heure d'ici, donc je me suis dit que le responsable avait déguerpi depuis longtemps. Mais apparemment non. Et pendant ce temps, il y a plusieurs gangs dans le coin qui essaient de se faire un nom et qui prennent plus de risques que d'habitude. Désolé, je suis en train de faire autre chose en même temps, mais j'écoute. Et quelques gangs Orlok, les Iron Vipers, les Scrapjack. Alors tu penses qu'ils travaillent aussi pour Silver Talon? Je trouve qu'ils se montrent très audacieux, comme si quelqu'un voulait qu'ils créent des problèmes. Et vu que Silver Talon est toujours dans les parages... Et tu penses que c'est Silver Talon qui a tué Virax? Ou l'a ordonné, oui. Quel bordel! Okay. Une autre piste m'avait donné l'impression qu'il se passait quelque chose. Dès que je l'ai su, je suis venu t'avertir. C'est comme ça que je t'ai trouvé. Pas exactement à temps. Ouais, il a pas fait exprès de me sauver la vie, quoi. C'est un plan cérébral. D'où il vient? Je l'ai pris au Black Serpent. Peut-être qu'elle voulait juste le vendre. Ou peut-être que c'est quelque chose que tu sais qui recherche. C'est pour ça que ça paraissait logique de te le greffer. Enfin, on finira bien par le savoir un jour ou l'autre. Tu m'as sauvé la vie juste pour pouvoir me faire tuer? C'est pas vraiment le genre de deal que j'apprécie. Dommage. C'est le solde disponible. Pas mal. Alors j'arrête. Mais merci du tuyau sur Silver Talon. Si j'étais moins généreux, je dirais que tu as une dette envers moi, tu sais. Mais je vais m'abstenir. Alors écoute, on pourrait se faire une fortune tous les deux. Tu n'y arriveras pas sans moi. Tu veux parier? Oh, ça ne me dérangerait pas. Mais si tu perds, tu n'auras rien à me donner de toute façon. C'est vrai, si je perds, je meurs, donc... L'offre est là. Compliqué. Tu sais où me trouver. Ok. Donc il m'a greffé une puce que tout le monde recherche, en gros. Ouais, mais... Donc je risque de... J'ai entendu dire de voir mal. À moi, l'argent. Et j'ai aussi entendu que tu sais. C'est quoi, ça? Montre-moi ce que tu peux faire pour moi. Qu'est-ce que... Hein? Ah, c'est pour modifier l'arme. Ok. On peut mettre des porte-bonheur. D'accord. Bah, le meilleur, c'est lui. Hein. Autour. Je vais mettre l'archéothèque. Mais attends, je peux modifier que cette arme? Oh, d'accord. Meilleure précision, j'aime bien. Comment ça, meilleure précision, mais maniement moins bon? Comment ça? Ça marche pas comme ça d'habitude. Juste la stabilité qui pêche. Ah non, oui, bah non. Non, logique, en fait. Ça fait la même chose, ça. Tu vois, il est plus stylé. Je prends lui. J'achète lui. Ok, canon. Plus de portée. Okay, plus de maniement, moins de précision. Donc ça nique tout ce que je viens de faire, donc non. Pénétration. J'aime bien le fait que ça pénètre mieux. Mais vas-y. Ah, encore moins de maniement. Mais ça va, le maniement, je suis encore loin.
On va prendre ça. Viseur laser carrément. Mais oui. Mais ouais, mais ouais. Qu'est-ce qui se verrait le mieux? Parce que là, le truc est plutôt rouge. L'environnement est plutôt rouge. Je dirais que c'est le cyan qui se verrait le mieux. Le vert peut-être. Le vert se verrait le mieux. Je m'en fous d'être plus visible. Ok. Mécanisme interne carrément. Meilleur maniement, moins de précision. Je veux plus de précision. Je veux ça. Ok. Je suis en train de tout défoncer. Ah, plus de pénétration. Moins de maniement encore. Je vais avoir zéro maniement à la fin. Ça va être énorme. Ok. Ah, ça, c'est juste le skin d'arme. Ah non, attends. Grossissement léger, moyen, grand. Je peux mettre un sniper carrément. J'en fais un sniper en fait. Mais j'ai plus d'argent de toute façon. Donc non. Ok. Donc pas pour tout de suite. Et là, c'est... ah voilà, ça c'est le skin d'arme. Ok. J'en ai pas des masses. Ok. Bon là, il me semble pas mal déjà là, niveau. Et ça, c'est juste nous équipés. Ok. Merci, mon petit gars. Ok, cool. Wouhou. On va reparler à Barmaid. Alors, vous avez réglé vos affaires, tous les deux? On pourrait dire ça. Écoute, je cherche des informations. Dis-moi. Client d'abord. Les Iron Vipers. Sois client d'abord. Des horloques? Ouais. C'est des amis à toi? On peut dire que j'en connais, c'est certain. Tu sais où ils traînent ces temps-ci? Non. Mais je connais quelqu'un qui le sait peut-être. Ok. C'est le coureur de dôme là-bas. Il s'appelle Jado. Ok, on va aller voir Jado. Ouais. Ils nous l'ont prise. Ah mais c'est lui! Attends. Jado. Ouais. Je cherche quelqu'un. Ouais, c'est lui qui nous a retrouvés. On dit que tu pourrais bien être l'homme de la situation. Tant que c'est dans un rayon d'une dizaine de dômes d'ici. Non, c'est pas lui, c'est les pas la même voix. Iron Vipers, tu connais? Ouais. Se sont fait beaucoup remarquer récemment. Tu sais, je connais cette voix. C'est la voix de Torbjorn. Hey, je sais qu'ils ont tenté quelque chose contre les Steel Crocs. C'est la voix de Torbjorn. Il y a quelques jours, ils ont eu de la veine. Ils ont capturé le chef des Crocs. Ah bon? Bon, c'est bon, j'ai fini ce que j'avais à faire. Non, mais ils lui veulent quelque chose, c'est sûr. Les Crocs leur cherchent et on dit que les Vipers vont essayer de le déplacer. De toute façon, ils ont le contrôle de tout le transport par ici. Ils contrôlent une partie d'un vieux réseau de trains de marchandises qu'ils utilisent okay. En contrebande. À mon avis, ils vont essayer de le sortir de cette manière, quelque part où les Goliaths ne le trouveront jamais. Tu sais où et quand? J'ai ma petite idée. Tu veux que je te montre? Ouais. Très bien. Laisse-moi t'éclairer la route. Tu penses pouvoir détecter une balise au phosphore? Quoi? Une balise au phosphore. La meilleure amie des coureurs de dôme. Dans les zones qui craignent, je te laisserai une piste. Il est tellement. Oh, carrément des pop. Ok. Donc, faut juste que je suive les balises. Attends, il y a du loot. Il y a du loot là. Il y a du loot de partout. Il y a du pognon. Et du coup, je gagne beaucoup de pognon parce que j'ai mis plein de trucs de chance. Ça, c'est cool. J'ai vu du pognon quelque part. Non, ça, c'est centre de tir. Non, je. What? Et donc du coup, je veux choisir une mission. Ok, je choisis une mission. Interagir, ok. Mission A, mission B, mission S. On va commencer. Ah, campagne, ah d'accord. Donc, ok. Donc ça, celle-là, c'est celle que j'ai fait. Et donc là, il faut que je fasse Colossus 44. Donc ça, c'est... Ok, mort ou vif, ça c'est un avis de recherche. Ok. Donc si je tue Silver Talon, j'ai 250 000. Ok. Bon. Attendez, pourquoi c'est vide? Non, je... J'ai rien. Ok. Pourquoi il est orange comme ça là?
D'accord. Attendez. Ok, d'accord. Ok. Ça marche. Personnaliser les armes. Ah, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok. Et là, c'est vide. Ok, fine. Confirmé. Oui. Lancer la mission. Oui. On est parti. Donc, ça, c'est un système de lobby avec, des missions, etc. Donc, on va faire la mission 2. Et on va tester ce truc là. Toujours pas le grappin. Wow. Tranquille frère. Bon, ah d'accord, mon deuxième saut se bouffe quand... Ok, bâtiment 3D là-haut. Ok. Vraiment, ça. Je suis désolé, mais le game design correspond totalement à tout ce qu'on peut lire ou tout ce qu'on peut voir sur Warhammer 40K, quoi. Ils ont totalement respecté l'aspect, quoi. Ça me rappelle énormément Space Marine. Où. Attendez, c'était là que ça se passait là. Pourquoi j'ai rien vu? J'entends des choses, mais je vois rien. Ok, là où il y a une balise. Oh, oui, bah ouais, ok, fallait juste faire ça. Ok, du loot. Ça sauvegarde à chaque fois que je prends un loot. Ça c'est énorme. Ça c'est bien. Ramasser. Juste ramasser, sans équiper. Ça c'est du shield. Donc faut que je suive les balises vertes. C'est bien ça. Hein. Et du coup elle est où ta prochaine balise là mec? Là t'as une balise là mais... Attends. Ramasser de l'archéothèque, ça c'est bien. Ah, ok. D'accord. Il y avait un truc inflammable. J'aurais bien voulu le péter en vrai. Parce que... Attendez. Non. Ok. Là non plus. J'aurais bien voulu passer là quoi. Ça aurait été bien. Oh là là les... Vraiment. Oh, c'est juste énorme. Ok. Ça c'est là où j'étais tout à l'heure. Par là, ça mène à rien. Oh, la glissade du garagiste, meilleur. Ah bon? Alors meilleure précision, mais si je sais pas viser, ça sert à rien quoi. Ok. Mais vise. Oh là là. Incroyable. Je suis nul. Elle s'est tuée toute seule. Bah yes. Ça c'est bien de pouvoir faire ça. Genre tu le baites, elle tire comme des trous de balles là. Ok. Mais j'aimerais bien pouvoir foutre des coups critiques, mais... Ok, elles ont des systèmes de points faibles aussi. Il y a une espèce de système de points faibles. J'ai vu quelque chose par là, non? J'ai dû rêver.
J'ai dû arriver, ok. Ascenseur. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de vie là. Par contre, c'est assez illisible des fois. Ok, c'est bon. Fini les conneries là. On s'est amusé avec le pistolet là. Ça suffit les conneries. Hein. Ok. On va juste avancer en vrai. Ok, bah là on a reculé, on a pas avancé là. Pas du tout en fait. Ah ouais, mais attends, du coup je remonte comment là? Fuck. Je suis dans la marde là. Oh, oui, j'avoue que comme ça c'est pas mal aussi. Oh. Ah, je peux pas le ramasser? Attends. Là, je peux le ramasser? Je peux pas le ramasser. Pourquoi je peux pas le ramasser? Mais je veux le ramasser, moi, le Steam, là. Dis-moi où sont les ennemis. Ok, il y a un ennemi, là. J'aurais bien voulu avoir le signe. Je sais pas pourquoi il est. D'accord. Sauter là-bas. C'est bon. On y est. Le bras fait trop chelou. Le bras trop chelou. Jericho va devoir augmenter ma part pour ça. Ok, walala. Walala. Ok, je suis sur un train. Donc là, les dashs, ça va être compliqué. Dash sur le côté, là. Ouais, tranquille. Ouais, j'ai réussi. Finalement, cet implant cérébral est plutôt pas mal. Bon, il faut trouver le Goliath. Ils doivent le garder prisonnier dans un des wagons blindés. Ouais, 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 ouais. Oh, ça tremble ici. Ça tremble de ouf. On va faire de la visée au jugé, je crois. Ah, ok. Bon, en vrai, je vais pas farmer les items. On va aller. On va avancer. Ah, mais. Ok, faut que je fasse eux au corps à corps. Quand je suis collé à eux. L'animation des. Elle est trop bien cette animation des. L'animation des kills, des finishes. Des fatal blows, voilà si vous préférez. Des exécutions, elle est vraiment très bien. J'avais pas vu, mec. Ouais,
Oh là là. En plus, il y en a des différentes, donc c'est cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce principe. C'est pas par là, je pense. De l'autre côté. Ou alors c'est en dessous. Non, ça doit être en dessous. Ah bah oui, la balise, elle est là. Elle est là. Porte bonheur, ok. Oh non. Oh non, ça c'est triste. Ça c'est triste là, les petits chiens. Hein. Ok, ce massif avait l'air un petit peu plus. Oh! Oh, j'adore ces trucs là! Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est trop bien! Ok! Ah ouais, c'est... je suis pressé, ouais. Mais y a pas de doute. J'ai obligé de finir l'arène, je crois. J'ai pas le... encore le masque. C'est vrai que j'ai des grenades aussi. Je pouvais pas l'exécuter, je sais pas pourquoi. Ils font exécuter des chiens quoi, c'est assez horrible. Petit cru de Willem. Je commence à m'habituer au système de visée là. Ok. Oh, dans la joue quoi. Ah oh, cool. Le marcheur. Mais je suis bloqué dedans. Allez. Le système de déplacement peut vraiment être optimisé en... Oh. Pius Legacy. Ah, cette arme là. Ok. Bah je... hop, ça c'est bien. Après le Pius Legacy, je pense qu'il est... il est plus fait pour les chiens, etc. Ok. Fine. Vas-y, interagis. Ok. Tout va bien. J'adore, il y a marqué Prou en lettres gothiques. Oh, d'accord. On est toujours dans le train là?
Oula. Hello GG. Ça va, ça va. Et toi, comment on va? Là, on essaie de... C'est une taupe, le machin. Il est où? Par contre, ouais, il fait mal, ce bâtard. Je suppose que derrière, t'es vulnérable. Ok, il creuse. Ouais, il a l'air dynamique, mais total en fait. Il l'est. Hyper dynamique. Il est où Billy William là? Ok. Je sais pas si ça rend bien sur le. Comparé à Doom, justement, beaucoup de gens le comparent à Doom. Il est plus proche du Doom Eternal qui est beaucoup plus justement dynamique que du Doom normal. Je parle des nouveaux Doom, hein, pas des anciens, évidemment. C'est quoi qui m'a pété à la tronche hein? Ah, il est vraiment excellent. Là, je suis qu'à la deuxième mission de campagne. Et vraiment, comme je disais, le feeling est exceptionnel. Et bon, désolé, hein, je parle pas beaucoup. J'essaie de me concentrer un petit peu. Mais ouais, le feeling est vraiment bien. De générateur de force. Il se planque le bâtard. Là-bas il y a du générateur de force, vite. Ah t'étais là! Je t'ai vu. Grâce au massif, je te vois. Je fais beaucoup de coups critiques avec le fusil à pompe. Bon, massif, il est déjà parti. Allez. Ok, enfin. Ils sont résistants, ces bordels là. La proue. Point de vue des déplacements, on dirait du record. Ah! C'est vrai que sur... Ouais, Record est plutôt pas mal, ouais, sur... Ah, j'ai le grappin, enfin. Ok. Oui, shift gauche, machin, blablabla. On va récupérer un petit peu de ça. Grappin. Oh, oh là 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 là. Oh, il s'y fluide en plus. Non. J'ai... c'est moi qui ai mal visé. Oh, il s'y fluide le... Oh là là. Tout... Ça aussi c'était fluide. Ok, on ne saute pas. L'enfer. Je me suis... C'était si fluide. Ma mort était fluide. À l'enfer, ce karma que je viens de me prendre. Ok. Ah, intéressant. Et donc là, j'ai entendu des gens. Ok. Hey. Toi là. Ouvre cette putain de porte. Ah, ils auraient pu mettre un autre dialogue.
Ouais, Ricor est génial, hein, complètement. Je suis d'accord avec ça. Bah, c'est moi, c'est rien. Mais il a. Voilà, merci. Il a un bouclier, le bâtard. La porte ? Elle s'ouvre ou pas ? Ah. C'était quoi ça? Ah, c'était ça. Ok. Faudrait que j'améliore ce gun. Eh, oh! Attends. Désolé, voilà. C'est moi là s'il est à moi, ok? Il va te défoncer la gueule. Oh, touche pas mon mastiff! Ils ont défoncé mon mastiff. Incroyable. J'ai utilisé un steam sans faire exprès. Zut. En voulant jeter une grenade. J'ai fat finger. Wow, 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 wow. Ok. Le jeu a complètement fonctionné avec moi, je vous le dis. Ça fait plusieurs fois que je le dis d'ailleurs. J'ai juste envie de le finir. J'ai juste envie de le finir là d'une traite. Ok. 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 Oh bon, je ramasse tout ça. Sympa ces petites cages. Très charmant ici. Puis le TTK est pas si énorme que ça. Bon après je joue en normal. Les musiques sont cool. Ça fait encore une fois penser à beaucoup à Doom. Nouvelle génération. Je peux pas t'exécuter genre. Non, je peux pas. À cause du bouclier, je peux pas. Mon bouclier ? La lettre ? Ok. On va quand même prendre un steam. Mais je suis en train de geler ou qu'est-ce qui se passe là? Ouais, je gèle. J'ai froid alors que je me déplace à une vitesse phénoménale. Pas normal. Ok, prisonnier Goliath. J'ai froid là, je comprends pas. Ok, bon après c'est une chambre froide. Alors ça, c'est un prisonnier Goliath. On dirait le fléau. C'est ton jour de chance, abruti. On dirait le fléau, mec. Les Iron Vipers te veulent à ce point. T'es qui, Maigrichon? Maigrichon. Mais merde. N'importe qui je suis. Qu'est-ce que les Iron Vipers te veulent? Ils se libèrent tellement facilement. Non, ils adorent se battre. Ils t'auraient déjà tué s'ils voulaient simplement se débarrasser de toi. C'est vrai. Ils travaillent pour Silver Talon. Ça te dit quelque chose? Putain, j'arrive pas. Excusez-moi. C'est ta dernière chance. Qui est Silver Talon? Qu'est-ce que les Iron Vipers te veulent? Tu poses vraiment des questions débiles. Mais c'est re la voix de Torbjorn, c'est pas possible. Ça fait deux fois. Oula, par contre les jambes là. Monsieur, vos jambes? Je dégage d'ici. Tu devrais lever le camp aussi, sac d'os. Ce train se dirige droit sur le territoire Orlok. C'est encore la voix de Torbjorn. Il a fait deux voix. Ok. Merci. Je
Il a pas répondu à mes questions. Ouais, on peut pas dire qu'il m'ait beaucoup aidé. Maintenant, je fais comment pour descendre de ce truc ? C'était un merci. Tu pourrais rester dessus jusqu'au bout. J'avoue. Où est-ce que ça va m'amener ? Eh bah, au territoire Orlok. Non, dis-moi comment je fais pour l'arrêter. Il veut pas aller en territoire Orlok ? Ah, c'est lui. Ok. Ok. Johnny Money va régler ça. T'as mal aux jambes ? T'as mal à la tête. Ah, ça sent l'arène ça. Ah oui, la musique me dit que c'est une arène. Il y a des chiens alors. Mais c'est des générateurs à plasma ça. Non ben, c'est bien. À part foncer tout droit, tu fais quoi? Ok, tu fais ça. Ok. Regarde, t'as un truc à côté de toi. Salut hein. Par contre quand tu les tues, ils sautent, c'est trop bizarre. Ok. C'est là où? C'est là où? Attends deux secondes. Attends deux secondes, j'arrive. Ah ouais, c'est vrai que j'ai ça. J'ai oublié. Ah. Hop. Ça marche trop bien. C'est ce que je voulais faire. Ok, ça marche bien. Nickel. Le train est vide. Avec tout un tas d'horloques furieux. Utilise okay. Le terminal pour l'envoyer ailleurs et tu pourras sortir à ce moment-là. D'accord. Bah laisse-moi le faire en fait. Maintenir. Ok. Ah. Alerte. Alerte au Google. Alerte au Google. Ça me dit rien qu'il veille là. Il a de la gueule ce train. Mission accomplie. Ah ok. Juste comme ça. Ok. Il est pas mal ce pistolet mitrailleur là. Mais attends, le Iron Fist c'est celui que j'ai. Ou j'en ai re-eu un autre. Attends, j'ai eu... Attendez. Le mien est meilleur parce que je l'ai modifié. On est d'accord. Mais du coup, c'est le même. Ah, mais par contre, lui, il a une... Il a à peu près la même chose que ce que j'ai. Mais en plus de ça, il a une... Il a un viseur. Mais il n'a pas le... Ouais. Ah, mais je peux faire ça, attendez. Mais oui, je peux faire ça. C'est vrai. Parce que j'ai plusieurs places de... Ben oui. Ok. Pius Legacy. Oui, non. Le Striker... Attendez. Lui est meilleur. Hein. Donc lui, je le vends. Ah, j'ai une meilleure armure, je pense.
Quoi? Ouais, 53 les deux. Bah ça vend alors. Ça vend, ça vend. Ah, alors ça. Ah oui, ça c'est... D'accord, ok. Ça j'en ai 4 sur moi. 6 en bonus de butin. Alors attendez, cela... Là va falloir négocier. 7, 7, 6. 2 chances de critique. Et en vrai. Voilà. Ça c'est de l'armure. Ok, ça on s'en fout. L'archéothèque. L'archéothèque... En vrai, on va tout prendre. C'est, pour l'instant, on n'a rien d'autre. Ok. Porte-bonheur. Ouh, celui-là, il est Gucci. La place dessus, hein. Ok, le reste c'est de la merde. Et du coup, quitter. Et là, ça me fait 4442 en termes d'argent. Et on continue. Ok. Ok. Eh bien, on va faire... on va faire la pause VOD ici. Du coup, on se retrouve dans une autre vidéo sur YouTube. À bientôt.